lance le vlog comme ça. Les gars, regardez, on est en plein Paris. On s'est endormi, c'est la vérité. Les gars, on a notre avion. On a essayé de prendre un avion là à 18h, on arrive à 19h. Donc après, oh là la reine, c'est la merde. C'est vraiment la merde. 16h45, le match est à 19h à Toulouse. On est en plein Paris, il y a que des bouchons de partout. Et l'avion, il est à 18h. Est-ce que déjà on va aller à notre avion? Est-ce qu'on va arriver au match? Les gars, c'est vraiment la merde. J'espère qu'ils vont pas nous appeler. Parce que là, c'est vraiment la merde. Pourquoi on est allé à Paris? Fais-leur un vocal, fais pour le président. Fais directement pour le président. Ferme la fenêtre. Faut pas qu'on fasse comme si on était dans une voiture. Oui, bonjour monsieur le président. Là, c'est les stagiaires et du coup, on est juste autour du stadium. Là, on a commencé à faire des rushs, à prendre des vidéos. Et voilà, on se voit tout à l'heure, oui, pour le match. Voilà, bisous. Les gars, on n'est pas du tout autour du stade. Regardez où on est. Le sac. Khalid, merci, je t'aime. Vas-y, frérot. Merci, les frérot. Ok, attention. Bon, bah, merci, les gars. Les gars, c'est très chaud. On n'a pas notre avion, les gars. C'est pas ce que vous voyez, on va l'avoir. Madame, c'est bien là, c'est là, on va là. Oui, c'est bien là. Merci beaucoup. Famille, oh là 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 là. Les gars, il y a plus personne. Bagages au dessus, surtout. Ok, merci. Non, on est à Blagnac, on va juste faire une visite d'avion. On arrive, monsieur Comolli, on arrive. Et les gars, j'ai une bonne nouvelle, Ryan. J'ai une très très bonne nouvelle. C'est mon truc qui s'est Bonjour messieurs. Mais avec le commandant d'aujourd'hui, il se peut que l'on soit en avance. Normalement, on est en avance. Si les soirées à Toulouse, on sera en avance. Eh Fred, parce qu'il y a le match. Je te dis, normalement, on est en avance. Comme on est dans l'avion, on va tout vous expliquer. Voilà, en fait, hier, on était à Paris, on devait rentrer. Merde. Non. Merde. Non. C'est la merde. Non. C'est la merde, non. On répond pas. On est là. On doit répondre. Réponds. On n'a pas le choix. Oui. Allô. Putain. Allô Vincent. Oh, attends. Salut. Vous êtes où? Non mais on est là. On est dans les bouchons. Sérieux? Ouais mais c'est parfait. C'est parfait. On est là. On arrive. Ne bouge pas. Je te jure qu'on est là. On est bientôt. C'est quoi ça? Un avion? Non, c'est pas un avion. Non c'est pas un avion. C'est pas. Les gars c'est vraiment la merde. Il a vu. Tu montres là. Mais ça peut être. Tu montres ça là. Les hublots, il y en a partout, des hublots, les toilettes. Quelles toilettes? Bon, on est sur le point de décoller. Bref, on vient d'arriver à Toulouse. Il est actuellement 19h06. Voilà, faut qu'on aille prendre un taxi. Au plus vite. Les gars, on arrive. Merci, t'es champion. Appuie. Enfin! On va la chercher la victoire! On va la chercher! Les gars, on a entendu ça faire, c'est bon. Maintenant, on va recliquer comme d'habitude, on vous emmène sur le bord de la pelouse, on va faire sucer. Ça va être incroyable. Il y a 1-0 pour Nîmes, mais c'est pas fini. On connaît ici à Toulouse, on est debout toujours. Donc on va aller chercher la victoire. Exactement. On le sait, on va aller chercher le titre ensemble. Et on est ensemble, bref, on fait victoire ensemble, les gars, allez, balance. Regarde, on y est. C'est bon. Regardez-moi ça. Je n'ai jamais vu le stadium comme ça. On va aller chercher la victoire ensemble les gars. C'est pas fini. On est debout toujours ou pas? Les gars c'est la mi-temps. Franchement on pousse fort, on mérite de marquer ce but. Pour l'instant Ajaccio perd donc on est aussi champion. Pour l'instant on est champion les gars. Pour l'instant on est champion. Mais on va aller chercher cette victoire tous ensemble parce que purée, vous avez vu les images du stadium, c'est incroyable. Voilà, là c'est la mi-temps. Et on va aller voir un peu ce qui se passe. Et on va aller parler aux supporters surtout. Voilà. On va aller parler aux supporters. Bon du coup là je vois que t'as le plus beau maillot du monde, donc tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté tout à l'heure devant le stade avec le mec qui a le... Et qu'est-ce que t'en penses en vrai de vrai? En vrai de vrai? En vrai de vrai ça change parce que c'était toujours du violet en majorité sur le maillot domicile. Et là okay. Franchement ça éclaircit et ça met de la bonne humeur derrière. Est-ce que je peux te le prendre ou pas? Non. Non je peux pas te le prendre? Non. Bon les gars, toujours debout, un partout, merci bien, on va aller chercher la victoire et on va aller chercher le titre, on va fêter tout ça ensemble. On est avec les supporters, ils sont chauds patates.
pronostic, beau gosse. Allez, allez, 2-0. Ok, il a pas compris. Bon, les gars, encore 20 minutes à jouer, un partout toujours. On donne tout. Regardez comment il donne tout aussi. Donc, vas-y, on va pas lâcher, tu connais, hein. Tu connais, on est venu. Nous, on en arrive, on rate le début du match. Malgré ça, on ramène quoi? Un petit but. On va ramener le titre de champion. Les gars, là, c'est Jean-Ro qui rentre. C'est la petite pépite. La petite pépite. C'est le moment peut-être avant que ça parte en cacahuète de vous dire. Donc nous, c'est notre dernier épisode. C'est ça. On a été tellement heureux d'être c'est avec ça. Vous. C'est très émouvant. Voilà. C'est émouvant. Quoi émouvant. Ouais, c'est émouvant les gars. Il y a du mouvement. Et ils sont là. Et ils sont là les Toulousains. Les gars, c'est bientôt le coup de sifflet final. On va passer ce moment-là ensemble. Ça va être incroyable. Incroyable. Les gars, regardez, je cache moi. Regardez, montre. Champion mon gars. Les gars, surtout n'envahissez pas la pelouse s'il vous plaît. A few moments later. Franchement, on vit des trucs incroyables. C'est fou. C'est incroyable, les gars, on est champions. Il n'y a plus de Ligue 2 là, c'est terminé. On est en Ligue 1, les gars. Et en plus, on est champions de Ligue 2. C'est-à-dire la Ligue 2. La Ligue 2, on a pris, on a fait quoi? On a mangé. Les gars, nos joueurs vont arriver là pour soulever ce trophée magnifique. On va faire la fête encore et encore et encore. Et nous sommes là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais vous voir parce que j'ai trop de respect envers vous. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça là? C'est fantastique déjà pour les joueurs. Ça fait quoi gagner un titre? Nous on connaît pas. Nous on sait pas. Ça fait quoi? Maintenant on sait un peu, mais. On est là pour ça en fait. Donc si tu veux, c'est moi je passe avant du joueur évidemment. Donc je suis vraiment heureux pour les joueurs, pour le boulot qu'ils font au quotidien. Et après, on va dire tout l'accompagnement de la structure, tout le club. Qui a changé depuis deux ans là, qu'on voit que depuis l'arrivée de monsieur Comolli. Ben, on voit les résultats, donc c'est parfait pour la ville de Toulouse, pour toute sa région. Donc c'est super de revoir le TFL Ligue 1. Bon, ben, l'apothéose est là. Un mot là. C'est dur, hein. Les joueurs ont été magnifiques. Ils ont essayé deux ans de travail. Mais ce qu'ont fait les joueurs, c'est extraordinaire au niveau de l'état des. Et vous aussi? Non, c'est pas moi qui joue. C'est nous, on est derrière eux tout le temps. On les soutient, on les supporte. Mais ce qu'ils ont fait au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la camaraderie qu'il y a dans l'équipe, c'est exceptionnel. Ça fait 30 ans que je suis dans le foot de haut niveau et j'ai rarement vu ça. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai un mot à dire, c'est on est champion, on est champion, on est. Bon, en un mot, du coup, le maillot. Incroyable. Tu l'as acheté quand? Là. Ok. Tu me le vends combien? Je te le vends pas. Tu le vends pas, pourquoi? Ah non, il a. Parce qu'on est un club de ligue. Allez, voilà. Le TVC, ouais, champion. Merci. Monsieur est content. C'est magnifique, c'est un de fou. Franchement, j'ai jamais vu ça. Attends, j'ai une question, parce que tu parles beaucoup, mais t'as pas acheté le nouveau maillot, c'est normal. Attends, le badge Ligue 1, c'est pour ça, j'attends le badge. Ah, c'est vrai qu'il y avait pas le badge. Bien sûr. Mais oui, gars. Toi, t'es un rat, toi. Et on peut dire que t'es le rat. Moi, je le rat. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Merci. The big boss. But I'm very good for you. Enfin, I'm meilleur. Me, I'm meilleur in foot. Sorry. Okay, sorry. But you are good. Okay. Incredible season. We did it. And
champion. Yeah, champion. 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 It's time to celebrate. That's all. Oh, bien, c'est. We celebrate. C'est champion. On est champion. On est. Je te suis déjà de début. De début. Les gars, c'est un grand merci à Bibiche. Je t'appelle Bibiche. Ouais, Bibiche. Ben, toi, tu peux dire. Tu t'appelles Bibiche comme je veux. Bon, grand merci vraiment. C'est grâce à vous. On vous aime. C'est aussi grâce à vous et tous ceux qui. C'est tout le monde. Tout le monde qui a travaillé. Les médias, ils sont trop bons. Parce que ça, le stade était rempli. Complet. Il y a pas ça nous pousse. Donc, c'est une. Merci. Merci beaucoup. C'est le travail de tout le monde, les gars. Merci, Bibiche. Félicitations, coach. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Voilà, les jeunes, vous êtes éclatés un petit peu. Mais c'est grâce à vous. On s'est éclatés. On est trop heureux, vraiment trop heureux pour la ville, pour tout ce que nous on a connu à Toulouse et c'est trop fort. Ouais. Un mot, allez, un mot pour la caméra. Un mot. Tu vois, j'ai connu pas mal de choses ici, mais jamais une atmosphère comme ça avec les publics. C'est vrai. Et, ouais, non, c'est vraiment. Moi, je me rappelle avoir joué contre Marseille de Barthez, 30 000 personnes, mais pas avec cette ambiance-là. C'est incroyable. Là, il y a eu un renouveau et on va tout faire pour que ça dure. Ouais. Et l'année prochaine, ça va être plus dur, mais avec eux, on va y arriver. Déjà, on va fêter ça. Déjà, on va fêter ça parce qu'on est quand même champion. C'est vrai qu'on va on va savourer ça. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, coach. Merci, coach. Ouais, on est avec on a eu le président, maintenant on a le directeur adjoint, non, le deuxième directeur star. Général. On refait. En un mot. Je mets une note sur 10 après. Bonheur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est beau. Ça, c'est 10. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est rien d'autre à dire. Au début, j'ai rien compris. La première fois, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc nul? Et en fait, on m'a dit, c'est normal, t'es pas dans la cible. Donc, je n'étais pas dans la cible. Donc, maintenant, je m'adapte à la cible. Et non. Je dis, on a la chance d'avoir deux garçons extraordinaires qui, malheureusement, nous quittent. Ouais, merci à tous les deux. Bon, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour la soirée de fête à la salle des illustres, c'est ça. C'est le lendemain maintenant. Oui. Réception à l'honneur du football club, champion de France de Ligue 2. Les gars, aujourd'hui, on va visiter ça et on va vous montrer avec qui on va fêter ça. Là, on est vraiment dans les coulisses. Là, il y a les hygiènes qui arrivent. Regardez-moi ça. Bah, les gars, ça s'est rempli. Ça se remplit petit à petit. On attend que les joueurs maintenant. Donc, les joueurs vont bientôt arriver là, normalement. Et je vous laisse regarder ça. Les gars, il y a le bus qui arrive là. Bon, les gars, ça y est, c'est le moment. Nos héros sont là. Les gars, on se presse, il y a nos joueurs qui viennent de descendre du bus là. On va aller les choper à la descente. Donc let's go. Bah, les gars, ils sont là. Garnier là. Toulouse. Malheureusement, je pense que vous voyez de quoi c'est, on va parler. C'est la fin. C'est la fin d'une belle histoire. On va quand tu as fêté ça, c'est quand tu as fêté ça. Ouais, bien sûr. On est un peu ému parce qu'on a vécu une fin de saison incroyable, une saison toute la saison entière. Ouais, donc, voilà. C'est avec, que ce soit avec l'équipe, soit avec les joueurs, avec que ce soit avec les supporters. Avec les supporters surtout. C'était incroyable. Vous avez fait kiffer vos retours et tout. C'était incroyable. On est triste de partir, mais on laisse un truc de fou, quoi. C'est vrai. De fou, mais on est champion. On termine sur une belle note et merci à tous. Un grand merci. Et ouais, moi je tiens à remercier vraiment tous les gens de l'encadrement, tous les gens de la com aussi. Parce que nous on était les stagiaires de la com, donc il y avait toute une équipe derrière nous, que nous étions là pour suppléer et pour aider. Mais voilà, c'est tous vraiment, quand je vous dis tous à Toulouse, au Toulouse Football Club, c'est vraiment tous des génies, c'est tous des monstres. Ils sont tous un bon cœur avant tout. C'est ça, et très bienveillant. Et voilà, merci monsieur le président. C'est ça, merci et à tous. Et merci à tous en vrai. Merci voilà, à tout le staff, régalé. À toute l'administration. À tout le monde, bref. On remercie vraiment à tous. Nous, en gros, bref, c'est la fin pour nous, en tout cas, pour l'instant de notre stage. C'est vrai. Donc on reviendra en espérant se revoir. Ouais, on se reverra, c'est sûr. Et maintenant, on va lui faire la fête un peu quand même. C'est vrai. En pleurant aussi un peu, parce qu'on est triste de partir. C'est vrai. Mais c'est aussi ça le foot. Et on se voit la saison prochaine. Vous bougez pas, la saison prochaine, nous aussi, on sera là de toute façon.
on va chercher la Ligue 1. C'est vrai. Champion ou pas? Gros bisous la famille. Gros bisous, on vous aime.